Salut, c'est Seb, on se retrouve sur e-Racing pour la manche IMSA Porsche RSR 911. Donc sur le circuit de Daytona, on est parti donc pour la course de 1 heure avec un arrêt au pit. Je me suis qualifié 21e, donc il y a pas mal de monde qui tourne en 1:42, donc je pense que ça va être serré. One lap to green, line up on the left side, pit Début road de is la course, closed. fin de journée, donc ça risque d'être pas mal. Alors, je vous cache pas que j'ai déjà fait deux courses et je crois que j'ai perdu plus de, allez, peut-être 80 points sur les deux courses. Donc c'est pas du tout bon pour l'instant. Donc ça va être mon troisième essai. J'espère que ça va le faire. Prendre un peu de points au championnat, reprendre un peu de points en hier. Ça va partir pour le tour de formation et comme d'habitude, le départ est primordial. Même si moi je fais attention, on va voir. Allez, à partir. Donc on va enfin profiter, je crois que c'est depuis le début de la nouvelle build, enfin profiter d'une course avec le passage de la fin de journée à la nuit. Ça c'est pas mal. J'espère que ça va le faire. Catch the ball, car. Catch the 5 car, catch the 8 car, catch the 17 car, catch the 6 car. Bon, avant que ça démarre, je préfère vous dire tout de suite, cette caméra, je pense que je vais la garder parce que j'ai vraiment des soucis avec ma caméra, comment dirais-je, GoPro. Donc je pense que je vais peut-être plus trop m'embêter, en tout cas pour les lives, à vous faire des vidéos vues de mon volant. Bon, de toute façon, je pense que c'est pas non plus catastrophique, vous avez une meilleure visibilité en tout cas de la course. Get ready, going green. Allez messieurs, patience, on reste en ligne. Green, green, green. Allez, on est patient. Très bien. Ah, ça fonce, hein, ça se bouscule. Allez, le petit rose, hein, il est arrivé comme un fou. Je me suis pris un pro-4, je sais pas d'où, de quoi. J'ai rien senti dans le volant, j'ai rien vu. Ah oui, alors je vous ai pas dit c'est une heure de course hein, les gars, donc arrêtez de rouler comme des malades. Putain, c'est pas possible ça. C'est pas parce qu'on s'est pris un petit x4 que ça va changer la donne. Slow car ahead. You got a slow car on the right. Go left. Bien, ferme la porte, comme ça au moins t'es tranquille.
sur le circuit de tenir une heure, donc on va essayer de bien se concentrer. Notamment sur le virage qui va arriver, le plus délicat. Freinage très tendu. C'est vrai que ça fait un petit moment, si vous suivez la chaîne, que je vous ai pas fait de vidéo sur e-racing. C'est pas parce que je cours pas, c'est que j'ai pas forcément le temps. Je pense que vous avez vu avec Dams, on a fait une petite team ASRT, donc All Sim Racing Team, il n'y a pas longtemps. Et ça demande du boulot. De toute façon, vous avez des informations de tout ce qui peut vous intéresser sur la team si vous souhaitez venir voir sur Discord, sur le forum. Alors, on s'appelle All Sim Racing en fait, simplement parce qu'on roule un peu sur tout. On n'a pas la prétention sur les plus grosses équipes, c'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir rouler avec quelques pilotes quand on veut, sans faire des events trop gros, des petits open par-ci par-là, et notamment le championnat là en ce moment, la troisième manche sur Sim Racing System. Bon, chose dite, on va revenir un peu sur la course, hein, je suis un peu à la traîne. Devant ici loin et derrière ça revient, donc il va falloir que j'essaye de choper la speed. Passage, on revient.
mais bon, c'est juste la même voiture, la Porsche. Ça c'est pas mal. Derrière, bah, forcément, ça revient très très vite. C'est plus rapide que moi de toute façon. De toute façon, c'est pas la peine de prendre mon rythme pour me planter. Si je suis moins rapide, c'est tout. On va essayer d'être régulier.
Oh, je me suis planté. Freinage tardif. Gap du temps.
traduction, je fais un peu de la merde. Derrière Leopoldo, ça va bien, ça va bien.
ça commence à glisser. Je sais pas si vous l'avez vu. Derrière, il y en a trois qui reviennent comme des balles. Il a refait la jonction, il va me reprendre là, c'est sûr.
Et je me bats, je garde ma seconde d'avance par rapport à Maxon. Si tout se passe bien, il ne devrait toujours pas me prendre sur le val. Reste moins de 20 minutes. Tranquillité pour le faire, je pense.
un tour et c'est la bonne fois. De carburant, mais c'est pas grave, vaut mieux assurer. Allez, 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 allez. Parce que je sais pas du tout comment je suis. Tout ça.
Ça sort des pits. Je vais devant, je pense. On est au même tour. Putain, je vois pas grand chose. Je me méfie des pneus maintenant parce que là je pense qu'il commence à être bien attaqué, donc allez, on va profiter de la spi. Il nous reste 10 minutes. Ça va être chaud. Derrière ça revient. Profiter un peu. Je
jusqu'au bout. Alors je vais essayer de choper celle de Julien. Julien s'échappe, par contre Chris derrière il revient fortement, donc comme on l'a dit, je vais pouvoir résister très longtemps. Thank you.
Allez, moins de 4 minutes. Pour vous dire, si je garde cette place, je suis content. Partager. Je veux rien lâcher. Vais-je pouvoir en profiter? Sait-on jamais. Alors il va être 8e, magnifique. Où il tente.
Est-ce que je vais pouvoir en profiter? 3 dixième. Il le sait qu'il est sous la menace. Il le sait. Oui, oui. Yes. Septième. Du coup, merci Julien. Bien joué en tout cas, parce que là, tu as réussi à le prendre. Ouais, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça superbe. C'est pas évident de faire une course entre guillemets propre pendant une heure. Donc c'est vrai que ça, avec ses grilles bien chargées, ça permet tout ça. Et qu'en plus ça roule bien et qu'il y a du niveau, c'est intéressant. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, sur le forum d'ASRT. Et puis on se dit à une prochaine. Salut.